Le 19 c'est Canberra, né le 23 mars. Né le 23 mars. Il nous vient de Congrier en Mayenne, présenté par Hervé Tisson et Yvon Madio. Spanish Food pour le père, Network pour le père de mère. Bon, bah, Spanish Food, tout le monde le connaît désormais, c'est le père de Lorena, entre autres, mais aussi plus récemment, c'est le père d'une autre excellente femelle. Femano, qui sous l'entraînement de Laurent Biel a remporté le prix de Grand. Et s'est imposé il n'y a pas très longtemps pour la première fois sur les obstacles à 5 €. Aussi dans la Dépiton, Daphné Duclos, plein de bons chevaux dans sa Jersey. Beaucoup de femelles dans sa Jersey. Vénus de Rélamère a gagné tant en plaque en obstacle. Gagné sur les Saint-Malo. Il y a la même course que Félix d'ailleurs. Vénus de Ré, Filet Network, de la famille de Nobel de Ré. Avec une grand-mère par April Night, tous les chats ZAN. ZAN comme la mère, parce que dans les lignées maternelles, que ce soit Spanish Food, Network, April Night, c'était baie, noir et gris. Alors, je ne me rappelle plus la robe de Radetzky March. On marche ensemble, au pas d'abord. Les juges regardent les allures, le modèle, si le poulain est droit dans ses aplombs, ici c'est plus pouliche, c'est... Voilà, on va pouvoir aller au trot désormais, c'est par Hervé Sibon, Canberra, donc tous les filles de Spanish Food, vous voyez, qui défilent devant... Une pouliche qui s'appelle Canberra et qui est née, je vous rappelle, le 23 mars. Et après, on les lâche en liberté, on regarde comment ils trottent, comment ils se déplacent, ils vont revenir vers le bruit, tout ce qui permet de voir comment on a un bon, là en l'occurrence, c'est 3-3 et 3. Et donc au terme de toutes ces délibérations, il y a les rappels des sessions, les poulains qui défilent, et c'est parti. On va aller voir.